Danton est né en Algérie, de parents nés aussi sur cette terre au XIXe siècle. Ayant pris sa retraite assez jeune, il a poursuivi sa vie active en pratiquant bénévolement ses sports favoris dans le milieu associatif. Mais il a aussi commencé à écrire des romans, des nouvelles, des contes pour enfants, des poèmes sur de nombreux sujets. Rue des Colons, Algérie, histoire vraie d'une guerre peu ordinaire, publié par l'Harmattan en 2013. À 90 ans, il reste actif, continue d'écrire et d'enseigner à des personnes en difficulté avec l'association Auxilia, une nouvelle chance. Ce vieil homme, témoin d'un monde en mutation, porte sur les événements le regard de quelqu'un d'un autre temps, comme venu d'ailleurs. Il s'exprime pour ses petits-enfants, non pas en critique amère, mais en interrogation et en réflexion, pour aider à construire le meilleur avenir possible. Il écrit ce qu'il pense, dans le langage de la poésie, pour rendre la lecture plus agréable par la rime, mais aussi pour donner à son message une expression plus formelle. Ses réflexions sont tournées vers notre monde actuel et traitent de société, religion, politique, science, économie, sans oublier l'écologie. Le ton employé est celui de la légèreté, mais aussi du sérieux de la philosophie. Retrouvez Poèmes de circonstances de Claude Danton aux éditions Sidney Laurent.